là. C'est comme ça le travail, faire sa machine, flexion du genou. Je vais travailler cette notion pour la paume en haut. Je travaille la paume en haut. La paume en haut. La paume en haut. La paume en haut. La prise de contact, je donne. L'action est là. La réaction est là. Allez, les autres! De piquer. Vous voyez bien, la paume est en haut. On a pas de piquer quand je vais piquer. La paume est en bas. Je vous prends par là. Je suis là. Doucement ce travail. Vous voyez bien, vis-à-vis en fait de mon hockey, c'est le temps de travail en fait de l'état de sol. Je reprends la même chose avec ce travail. Sur un travail de ski, je pique mon partenaire, et là vous voyez bien la fin du corps. Maintenant, quand je vais pivoter, la paume est en bas, je pique mon partenaire. Travail de ski, et ski, maintenant à partir d'ici, paume en bas, couper le partenaire. Et c'est une option ici. Le bouquet est un tour, ne bouge pas chez moi. C'est uniquement un travail du côté de la fille qui va faire que une partenaire. Ah, c'est bien. Aïe, ah, la continuité avec une arme. Moi, sur laquelle il faut se méfier, c'est qu'on ne prend pas en compte, c'est celle sur mon pied. J'ai piqué mon partenaire. Elle nous essaye ici. Évitez trop en fait de serrer très fort. Parce que là, vous êtes en train de bloquer l'énergie qui part du niveau du nerveau. Considérez ici que vous avez une lame de rasoir. De toute façon, là, il est.
que en fait, les gens qui ont l'habitude de travailler ici, ça, alors ici, après, ils sont impliqués. Et le pivot, n'oubliez pas effectivement que le tankan normal, c'est une notion de pivot. Et à partir d'ici, c'est un travail de ski. Je fais un ski. Dans un premier temps, ici, pivot. Là, à partir d'ici, vous pouvez, si vous sentez effectivement vis-à-vis du partenaire, vous avez un problème, rien ne vous empêche de reprendre. À partir d'ici, c'est une notion de ski. Le tanto en fait ne va pas dans tous les sens. Pivot, ski. On va essayer d'épurer justement ce travail-là. Pivot. L'action est là. Ah, les uns. Ici justement, là il est protégé. De ce côté-là. À partir d'ici, même chose. Pomme en l'air. Pomme en bas. Même travail ici. Pomme. Maintenant, on va en bas. À partir d'ici, je vais pouvoir me déplacer. Pomme. Et là, on rentre en fait dans le travail d'éliminer. Je suis là. Point plus beau. Point plus beau. J'ai la paume en haut, paume en bas. Maintenant, il faudra me déplacer pour arriver. Ça vous permet en fait d'avoir des points de pivot au niveau de votre plafond. Ça, c'est mon premier point de pivot. Maintenant, je me déplace ici. Mon deuxième point de pivot, il est maintenant de l'autre côté. Je transforme au troisième point de pivot. Il faut aller aligner les gauches. Vous embourbez un peu en fait dans des problèmes de saisie. C'est vous-même qui créez vous-même en fait vos problèmes. Et pourquoi vous créez vos problèmes? Au début, vous approchez trop. Gardez le DI. Ça c'est mon sable. Que je pique chez lui. À partir d'ici, le problème c'est vouloir reprendre. Et là, vous perdez effectivement l'avantage que vous avez. Vous avez un point de pivot ici. Parce qu'ici, effectivement, vous voyez, je prends tout mon temps pour me déplacer. Et là, c'est là où effectivement, de nouveau, problème. Là, vous prenez son poids et après vous essayez en fait de vous déplacer avec lui. Ça va être un peu difficile. Si vous le prenez avec vous, vous avez un problème. Ce poids-là, en fait, est fixe. Vous voyez bien, à partir d'ici, c'est moi qui va me dépasser et lui, il va venir tout seul. Et quand il est là, lui, il revient là. Donc, n'essayez pas effectivement à tout prix de faire ça. Là, vous êtes en train de vous battre contre vous. Là, ici. J'ai tout mon temps, je me déplace. Maintenant, je me déplace ici. Alors, c'est un travail en fait qui est très souple. Cherchez les points de pivot. Premier point de pivot. Deuxième point de pivot ici. Maintenant, à partir d'ici, c'est uniquement en fait le maintenir légèrement. C'est un point d'appui. C'est l'autre en fait qui va travailler d'un coup. Et quand il revient. Voilà. Vous voyez bien, effectivement, je n'ai pas besoin effectivement d'aller le serrer très fort. C'est uniquement un travail de déplacement de mon corps qui fait que lui, il est décidé. Allez, ça. Quand vous allez vous déplacer derrière lui, là vous êtes en train de le gêner dans son déplacement. Vous êtes ici, vous tournez, vous allez vers chez vous. Il n'est pas libre dans son mouvement. Par contre, si mon pied est là,
de l'autre côté, pour les sentiers. Vous voyez que là, on a tout le sens. Donc, n'hésitez pas, effectivement, ici, à aller bien complètement de l'autre côté pour l'entraîner justement dans ce travail de déséquilibre. Ici. C'est ce travail de. Permettre effectivement de déséquilibrer le partenaire. Allez complètement de l'autre côté si vous le pouvez. Sinon, vous allez rester derrière lui. Quand lui va tourner, il va vous rencontrer. Alors, laissez-lui en fait la liberté de mouvement. Ici, c'est pour ça que je vais utiliser le point de pivot, il est là. Maintenant, je vais pouvoir me déplacer et je vais être là pour le projeter. Allez, maintenant! En fait, je vous épargne le travail de bokeh pour le moment parce que déjà avec le tortue vous avez un problème de distance. Mais le principe reste identique ici. Et là, avec le travail de bokeh, vous avez en fait cette notion de préparation. Et bien, c'est cette notion ici, je suis là, vis-à-vis de déplacement. J'ai tout mon temps pour me déplacer. Et le problème effectivement qui est un peu difficile, c'est de trouver le bon tekata. Chercher en fait des points de pivot. Comme déjà vu tantôt, il y a quelques problèmes. On va laisser pour le moment le bokeh. On verra peut-être tout à l'heure en fait sur d'autres techniques qui sont en train de bokeh. Même application, donc maintenant on enlève le tanto et après effectivement on va éliminer. Donc soit effectivement vous travaillez comme tout à l'heure avec le tronçon, soit vous travaillez avec une forme un peu plus classique et le début reste identique. L'essentiel en fait c'est ce but là. Mais effectivement, votre partenaire. Allez, vas-y! Pareil au niveau des armes. Ne jamais prendre en fait sa main. Juste ici. Là, vous avez une chance sur deux de rater. Qu'est-ce qui commande effectivement son tempo? Son visage. Donc, première chose, là j'ai mon DR, vous avez de mon partenaire. La pompe qui est là, descend légèrement. Ici, je ne reprends pas en fait son poignet. Je prends le tâteau au travers de ça. Je prends le tâteau. Surtout travailler libéré. Là, je ne risque rien. Maintenant, je vais changer comme tout à l'heure, paume ici en bas. Là, vous voyez bien, effectivement, ce qui m'intéresse, c'est contrôler le tanto au travers de sa main. Pour quelle raison? Première raison, c'est que s'il lâche, je tiens quand même le tanto. Deuxièmement, je contrôle ici. S'il a, il lâche. Je vais avoir un petit problème à Bobo à Mickey. Ici, justement, uniquement ce contrôle. Là, vous voyez, maintenant, le pont est là. Je lui redonne un petit cadeau. Donc, ici, premier contrôle. Gardez bien votre direct. Descendez ici et reprenez là. Vous voyez? Voilà. Pour si possible, uniquement avec les deux. Là, les mecs,
qu'effectivement, c'est ça qui va faire qu'il y ait des inégalités. C'est ça qui est. Il a un problème. C'est ça qui va l'obliger, effectivement, à vous donner le tantôt. Il est en train de me regarder, j'ai un problème. Alors que ici, bon. Essayez de travailler doucement dans un premier temps. Vérifiez que vous êtes effectivement en position de contrôle vis-à-vis de votre partenaire. J'essaye de déséquilibrer mon partenaire. J'essaye de faire un avec lui. Là, ici, je vais appuyer ça. Ça va? Allez, ça! Tu vas. C'est uniquement, uniquement et éducatif, à partir d'ici. Quand vous êtes là, vis-à-vis de votre partenaire, les Japonais disent là, c'est le couloir d'autobus. Non. Ici, quand vous arrivez ici, en fait, c'est une forme qui est presque oubliée maintenant, c'est la forme d'immobilisation de l'équilibre de la partie. Vous voyez, même s'il tient bien en fait le tâton, il est content de me lever. Venez ici. Le DI. Et le DI, en fait, c'est pas ça. Le DI, c'est un travail de bouquin. Je suis en train de couper chez lui. J'ai mon bouquin. À partir d'ici, et je reprends. Et c'est, quand je suis là, c'est pas ça. Parce qu'elle revient. C'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas faire ça le jour d'un passage de là. Mais c'est cette notion, il est toujours là-bas. Et c'est ça qui va faire qu'il est toujours là. Ouais. Quand vous arrivez là, je vous là, on se continue là. Là, vous avez tout le pas pour enlever. Là, ici, et à partir d'ici, éventuellement. Si ça vous enchante, vous revenez sur la forme en fait classique et immobilisation. Mais c'est une forme effectivement qu'on ne fait plus tellement, mais que j'aimais bien à l'époque au sensei. Sans arme. Parce qu'effectivement, c'est la démarche qu'a fait Osensei. Osensei est parti avec des armes et à la fin il a essayé de durer pour aller un peu plus sur la forme du dos. Parce que le travail des armes, c'est surtout le travail Aikijutsu, qui est effectivement la première forme d'école qu'il avait créée. C'est la forme Jutsu, c'est effectivement celle de France. Et là, dans cette forme dos, c'est là où il a épuré. Il a épuré, c'est-à-dire en fait les armes. Il laisse de côté et on travaille un peu plus effectivement avec la mule. Et c'est un peu la forme qu'on retrouve en Budojo. En Budojo, on travaille très peu les armes. Même si les chiens en fait, montrent effectivement le travail des armes, en fait, on ne prend pas beaucoup les armes. Il y a seulement à Iwama où effectivement, c'est l'inverse. Là, ici, le travail de scie, c'est le même travail. Le scie, c'est la même notion. Et là, on arrive à voir cette forme. C'est une fois qu'on commence souvent à travailler tension de temps. Thank you.
la main n'écarte pas, comme tout à l'heure, c'est pas une saisie, mais motion. C'est mon partenaire. Je continue. Avant le mort, avec les chaussures. C'est ça. Avec les dos, on arrive là. C'est très léger comme travail. Inviter, repris ça, contrôler, descendre. Allez, la sorte. Bon, ça, c'est la forme avec le dessous. Maintenant, on travaille effectivement au niveau de la pseudo. Travail de ski, même travail. Prends ici. Voilà. Et maintenant, on reprend la même chose ici. L'avantage du Ken, l'avantage de l'inconvénient aussi, c'est qu'il y a une notion de distance qui est à gérer. Voir le ski, même travail. Partez d'ici. Et je descends. C'est la même chose. Il y a seulement une histoire de distance à prendre. Ça va ? Donc, c'est ça qu'il faut effectivement qu'on ait en tête quand on pratique Manu. C'est-à-dire, l'avantage en fait d'un bokeh, d'un tato, c'est que vous avez là, ça vous donne la direction, c'est l'histoire en fait de la pompe, la pointe, qui vous donne effectivement la vie, là où il faut y aller, et à partir de là, vous avez en plus soit un bouquin, c'est un peu plus long, un tato. Normalement, vous pouvez le faire aussi avec un aigné à ta. C'est la lance. C'est la grande lance. Mais comme ça se perd de plus en plus, moi j'avais fait un peu de même minute avant aussi, il y a un problème de distance à gérer. Voilà. Merci. J'ai pas eu le temps de vous montrer un peu l'étape suivante qui a été prise en commandant santé, c'est-à-dire la prendre en automotive. Et en fait, c'est l'étape suivante. Bien entendu, à haut niveau de l'ordre, vous avez vu la forme fondamentale, c'est-à-dire celle qui a défini en santé avant de quitter. Thank you.